Mais bon, on l'a vu au premier tour, où l'équipe USR Tchak avait gagné de 1. C'est pas USR qui fait la team, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et Momiage va donc être opposé à Tchak. Encore un Rufus. Les deux adversaires sont de niveau quasi équivalent. Seulement on a vu que à niveau équivalent, c'était Rufus qui avait l'avantage. Je rappelle, Tchak qui a sorti Chi, Tchak qui a sorti Tai au premier tour. Tchak qui est chaud comme la braise là. C'est peut-être un des persos qui doit ressentir, un des joueurs qui doit ressentir le moins la pression à mon avis. En tout cas, bien moins que Ichi et Tai qui sont bien fait surprendre lors de ce premier tour. J'espère qu'on les reverra dans un autre tournoi. Du moins Tai à mon avis qui va quand même tenter quelque chose. Et voilà Chun-Li qui se fait bourrer encore dans le coin. Et voilà l'ultra bien joué. Et c'est gratuit. Pourquoi s'en priver? Que du bonheur. Voilà. On tape un peu partout. Rufus qui tripote. Et premier round pour Rufus. Allez, Tchak qui chaud, je l'ai dit, il est chaud Tchak. Il a envie, il a pas envie de perdre. Elle a tenté encore un soi kick. C'était le Shoryu. La meilleure réponse sur le premier soi kick. Tout cafouillé, mais enfin c'est pas bien grave. Ça n'a que très peu d'importance. Encore les kickoken, allez voilà. Bien joué le ex Shoryu. Et une chop, attention dans le coin, il va se passer quoi? Un fake jump. Chun-Li a joué la défensive, va pas essayer de contrer avec un X-Spinning Bird. Elle a bien fait. Waouh! La vache! Ça fait mal. Ex-Shoryuken coincé. Il se prend des mains, des pieds et des couettes en plein dans la tête. Et l'énergie a fondu. C'est bien 20% de barres qui sont parties sur ce ex-Shoryuken. Défaite de Chun-Li, comme je vous l'avais dit. Voilà, Tchak qui lave un peu l'honneur de USR et qui va se retrouver donc opposé à Chanbon pour ce match décisif, cette belle. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que Tchak va gérer ce match-là? Encore des niveaux équivalents. Il a sorti Ichi, Tchak connaît le versus face à Ken. Il n'y a aucun souci, il sait quoi faire. C'est parti! Et Ken qui a vu le match aussi, hein. Ichi versus Tchak, qui va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. S'il a un soupçon d'intelligence, malheureusement c'est pas facile, car les erreurs, Tchak aime les provoquer. Encore, tornado dans la garde, aucun moyen de contrer. Spike kick, tornado dans le vent, Dai Shoryu. Allez, c'est bien joué. De la part de Rufus à la relever. Ce petit texte tornade et on passe dans le dos, ça fait pas vraiment cross-up, il n'y a pas à se protéger. Voilà, c'est des trap shops ça. Faut faire gaffe encore un. Allez, à Ken qui a bien réagi. Bah, gros point qui fait très mal. Attention, c'est la mauvaise distance pour Ken là, c'est la mauvaise distance et voilà. Il se fait choper. Il a tenté de sauter sur Rufus. Et évidemment, vu la distance à laquelle Rufus se mettait, il attendait que ça. Un peu à la manière des boxeurs qui tendent le menton comme ça. En provoquant leur adversaire. Tchak a provoqué l'erreur. Ken qui a fait un Shoryu pour punir la variation sur le rolling de Tchak. Mais ça fait double touch. Allez, un ex-tornado puni par un gros combo. Fini par un Dai Shoryu. Allez, ça passe. Ah, il manque le Tatsu là, Ken. Il manque le Tatsu. Il peut pas se permettre de rater ses combos. Ex-tornado dans le coin. Avant medium kick, Dai Shoryu. Et ça passe bien. Chanbon qui est bien parti. Voilà, re-Dai Shoryu. Celui-là, il était un peu bourré. Mais c'est pas grave, et l'ultra! Et oui, évidemment, sur target combo. Est-ce qu'il va rester de l'énergie à Ken? Ça va être pas facile! Il reste pas beaucoup d'énergie. Attention à la relever! Oh là 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 là, c'est terrible! Et Tchak qui touche encore dans le dos! Ken qui a lancé encore un Shoryu Furious de désespoir. Enfin, c'est même pas de désespoir, c'est penser que ça compterait. Mais les trajectoires de descente du pied de Rufus sont tellement imprévisibles et tellement, tellement bizarres que c'est très difficile. D'habitude, le Shoryuken se tourne dans le bon sens lorsque vous l'exécutez en reversal. Cela dit, si l'adversaire est dans... Ouais, vous voyez, c'est le problème de se descendre du pied, si vous voulez. Donc, Rufus est très près de Ken. Il saute tout droit. Fait sa descente du pied. À ce moment-là, lorsque Ken fait son reversal, Rufus est juste au-dessus de Ken. À ce moment-là, le Shoryuken part vers la droite.
Évidemment, la descente du pied amène Rufus vers la gauche, ce qui lui permet d'éviter le Shoryu, d'autant plus que Dai Shoryu a une trajectoire vers l'avant beaucoup plus importante que Shoryu normal. C'est peut-être ça en fait qui a perdu Chan Bond. Peut-être que le Shoryu Small aurait fait double touch et aurait permis soit un double KO, soit la victoire de Chan. C'est un peu dommage, mais Dai Shoryu n'est pas ultimate. Pas tout le temps. Allez, prochain match de cette poule B de 8ème de finale qui va opposer Ant et son collègue Guki. Non, c'est plus Ant, son collègue c'est Ken. Face à F qui joue Ryu et un autre Guki que je ne connais pas. J'arrive pas à lire le nom. Voilà, Ant qui chope Ryu, qui va projeter Ryu dans le coin. Voilà, Ryu fait un petit combo Tatsu qui fait bien mal. A tenté la chope, évidemment, Sagat attentif. Très mauvaise distance de Tiger Knee de Sagat. Et du coup, il se fait immédiatement punir. Ah oui, le saut moyen point, ça c'est culotté. Du coup, il s'est protégé du premier hit, Sagat. Mais il y avait un deuxième hit sur le saut moyen point. Ah, c'est culotté, on les voit pas beaucoup. Ça, c'est saut moyen point comme ça. D'habitude, c'est plutôt les débutants qui tentent ce genre de coup-là face aux débutants, justement. Dai Shoryu, Sagat qui punit le saut de Ryu encore avec un Shoryu HK qui va chercher très loin. Enchaînement de Tiger Shot, allez c'est parti. Shakunets pour récupérer l'attaque, c'est bien fait de la part de Ryu qui se laisse pas dominer par un jeu de Tiger Shot. Allez, c'est fait toucher là, attention le saut gros pied était vraiment très moisi. Tatsu qui touche très haut sur la tête à Sagat, il est vulnérable à ça, Sagat. Ah, ces cross-up qui vont chercher très loin. Bah, medium kick qui est pas confirmé. Saving dans le bas, medium kick. Car Shoryu cancel. Gros pied, l'ultra. Normal. L'ultra qui passe en entier. Ça va être difficile pour Ryu. Ryu qui a pas réussi à enchaîner comme il voulait à l'intérieur de la garde de Sagat. Il se baisse là. Tiger uppercut. Non, c'est Tiger Knee qui arrive. Il y a encore un Shoryu cancellé de Ryu. Et il reste plus beaucoup d'énergie. Ryu, il tente le mettre. C'est moisi, non? Et oui, on peut se protéger. Ça, on peut toujours s'en protéger de toute façon. Il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien. Si vous voulez le mettre, ça touchait le premier hit du Tiger Shot. Et rien que le fait qu'il ait touché le premier du Tiger Shot, ça permet à Sagat d'avoir le temps de se protéger. Et Sagat qui met un kick d'entrée, ça touche deux hits et ça fait mal. Ryu qui doit s'en vouloir de s'être pris ça. Voilà, bien joué. Allez, on saute dessus. Alors, cross-up. Mais c'est très très bien fait de la part de Ant. Qui se protège parfaitement de toutes les attaques de Ryu. Voilà, qui cherche l'ouverture de garde basse de Ryu. C'est quoi ce Shoryu? C'est d'une laideur absolument monstrueuse. Ah, il est laid, il est laid. Bouc, il est laid. Allez, tape-moi ça. Voilà, chop. Évidemment, victoire de Ant. Pas monsieur, on pif pas, qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Victoire de Sagat qui remporte donc ce premier round. On va voir donc le deuxième match qui va opposer un Ken. Si j'arrive à lire mes potes de mouche, je serai très fort. Je sais même pas comment il s'appelle le Ken. Il sera opposé à un Guki dont je ne sais pas lire le nom. Voilà, comme ça c'est fait.